Bonjour à vous toutes et tous, nous voilà en ligne un 16 mars 2022. Je suis bien heureuse d'accueillir notre invité, Yves Guégan, qui se présentera tout à l'heure. Je vais commencer par donner quelques actualités et déjà souhaiter que ce retour à l'école sans masque, pour certains et certaines en tout cas qui auront saisi l'opportunité de le lâcher, auront découvert le visage de leurs enfants, de leurs élèves. Donc j'espère que cette tombée des masques vous aura été profitable. Quelques actualités sur Être Prof et notamment le kit évaluation. Les kits sur Être Prof, c'est une séquence de mails qui vous permet d'être accompagné sur une thématique. Et en ce moment, il y a le kit qui nous fait réfléchir sur l'évaluation. Et Julia, j'en suis certaine, va vous mettre le lien dans le chat. Je vais pouvoir aussi vous dire qu'il est toujours temps, à tout moment, de rejoindre l'équipe des mentors Être Prof. Alors, les mentors Être Prof, eh bien, c'est tous les collègues, toutes et toutes les collègues qui viennent faire vivre, d'une quelconque manière, la plateforme Être Prof, animer un atelier, écrire un article, écrire à la production d'un kit. Voilà, différentes missions. Donc, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Julia, là aussi, vous mettra le petit formulaire qui nous permettra de rentrer en contact avec vous. Que vous dire que Julia est dans le chat et se chargera de mettre en lien toutes les références dont on parlera tout au long du live. Et puis, une première question peut-être à vous toutes et tous. Vous êtes une petite 70 personnes qui êtes là. Donc, dites-nous, qu'est-ce que vous attendez de ce live et pourquoi vous êtes si nombreux? Parce que vous avez été très, très nombreux à sembler intéressés par le live. Donc, dites-nous d'emblée ce que vous attendez de ce live. Et pendant ce temps-là, je vais accueillir mon invité. Monsieur Guégan, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Bonjour. Et je veux bien que vous vous présentiez à nous, que vous nous disiez qui vous êtes. Donc, Yves Guégan, j'ai été prof pendant une quinzaine d'années, prof de français, en collège, essentiellement. Et ensuite, j'ai repris des études de psychosociologie. Et après différentes péripéties, ça m'a amené à faire de la formation d'enseignant. Et j'ai fait beaucoup de formations d'enseignants pendant plus de 20 ans, en fait, je sais plus. Enseignants de CFA pour l'essentiel, centre de formation d'apprentis. Donc des enseignants qui avaient parfois quelques difficultés avec des enfants, des élèves, des jeunes apprentis qui pour beaucoup avaient une relation, disons, difficile avec l'école et avec l'apprentissage. Et donc, ça m'a amené à réfléchir à me demander comment gérer, comment faire avec ces jeunes gens, ces jeunes filles. Beaucoup de jeunes gens, c'était beaucoup des CFA. Enfin non, il y en avait deux. CFA de bâtiment, d'une part, et CFA chambre des métiers, donc commerce, coiffure, chambre des métiers. Je me souviens plus. Ça fait quelques années que j'ai lâché tout ça, mais bon. Et j'ai trouvé, j'ai cherché des stratégies pour aider les personnes qui avaient parfois de grosses difficultés. J'ai rencontré pas mal de gens qui me disaient, moi je pleure tous les soirs parce que j'arrive pas, je m'en sors pas, il y a une agressivité terrible, ils veulent rien faire, ils veulent rien apprendre, je suis trop jeune. Certains enseignants qui avaient 22-23 ans, des jeunes filles, par exemple, jeunes femmes, confronté à des ados de 17-18 ans, c'est pas évident, quoi. Bon. Voilà. Donc, je me suis intéressé à des stratégies possibles pour enseigner dans ce contexte-là. Et je suis pas arrivé tout de suite à la ruse. Parce que, je suis comme tout le monde, quoi. Pour moi, la ruse, c'est un peu c'était le mal. Et j'avais écrit un premier livre qui s'appelait sur le pouvoir, mais j'utilisais le terme technique de détour, j'utilisais des périphrases en fait pour parler de la ruse, et il m'a fallu un
un certain temps, plusieurs années, pour me dire, mais en fait, c'est la rupture. Et donc, j'ai travaillé pas mal sur la rupture. Voilà. Et vous avez donc publié un livre chez, oui, chez les éditions ESF. On y fera référence tout au long de notre heure. Et on va justement essayer de voir les périmètres de ce terme de ruse. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot ruse, qu'on a mis entre guillemets un peu partout, hein, parce que voilà, il nous fait un peu peur et on essaiera de déconstruire ce qui nous fait peur derrière ce terme de ruse. Alors, essayons, si vous voulez bien, de définir ce terme de ruse. Alors déjà, juste une anecdote, quand on tape sur son téléphone, on fait un message et qu'on tape ruse, il vous vient russe. D'accord. Ça se transforme, moi quand je parle de ça, ça se transforme souvent en ruse. C'est-à-dire que même Internet se méfie de la ruse. Bon, enfin bref, c'était une parenthèse. Vous me demandiez quoi, je ne sais plus. De définir ce terme. Terme ruse. Oui, alors la ruse, bon, moi je définis assez bêtement. Hein. C'est une stratégie, c'est une tactique, c'est une stratégie qui a comme caractéristique d'être un détour. C'est une stratégie masquée. Le propre de la ruse, c'est d'être un détour, un détournement. Si la ruse se voit, ça marche pas. Ce n'est plus une ruse. Que ce soit camouflé. La ruse, c'est l'art du camouflage. Et un bon camouflage. Parce que si c'est un mauvais camouflage, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, voilà. Mais... voilà, en gros, pour aller. Stratégie, technique, masquée, donc. Et la deuxième question, c'est finalement, pourquoi ce terme de ruse souffre d'une si mauvaise réputation? On y associe manipulation, domination. Et du coup, on voit bien que cette arrière-pensée qu'il y a derrière le terme de ruse ne va pas avec la visée pédagogique que l'on peut avoir. Donc, est-ce qu'on peut essayer de délimiter ce cadre, le cadre éthique qui serait celui de la ruse pour ne pas être justement dans la domination et dans la manipulation? Alors, manipulation, on va y revenir sur tout ça. Alors, la ruse, il met beaucoup du sien hein, pour avoir une mauvaise réputation. Mmh. Effectivement, la ruse est très souvent malveillante. Mmh. La ruse est malveillante parce que c'est l'outil, c'est l'arme, si vous voulez, et c'est escroc. Déjà, quand on veut escroquer quelqu'un, quand on utilise la ruse, la ruse c'est aussi les ruses de guerre, la ruse c'est aussi les ruses commerciales, qui sans forcément vouloir escroquer les gens n'est pas forcément bienveillante et avec les clients. Bon, le but c'est de vendre et on ruse pour vendre. Donc il y a tout un pan important. Hein, je ne sais pas si c'est l'essentiel, j'ai jamais réfléchi à ça, mais enfin, c'est un peu important de cette notion de ruse qui fait qu'effectivement, on se méfie à juste titre de la ruse. Quand on se fait soi-même escroquer, quand quelqu'un nous a eu par ruse, on n'est pas content, à juste titre. Et la ruse, donc, a très mauvaise réputation parce que c'est un outil plutôt négatif. Alors, moi, je rajouterais quand même une chose, c'est que l'Église catholique, il y a mis un petit peu son grain de sel dans cette histoire de mauvaise réputation de la ruse, parce que, elle a fait du diable l'être rusé. La ruse, c'est du diable. Et parce que c'est vrai que la transparence, la confession, être ouvert... transparent devant Dieu, devant l'Église, devant le prêtre, ce sont des choses importantes dans le cadre de la religion catholique. Et la ruse, la dissimulation, c'est très mal dit. Alors la ruse, c'est le diable. C'est, je sais pas si on va voir ça. Voilà. C'est Bétienne et Vernant qui disent ça. Hein. Alors c'était pas vrai chez les Grecs. D'accord. C'est un livre tout à fait intéressant qui montre en quoi. La métisse, hein, donc ça s'appelle Bétienne et Vernant, les ruses de l'intelligence, la métisse des Grecs, voilà, ça se voit, c'est bon. Oui. Et la métisse, c'est la déesse de la ruse, la femme de Zeus, et pour les Grecs, la ruse, la métisse, c'est quelque chose de plutôt positif, parce que c'est, par exemple, la,
la tactique, la technique des marins qui rusent avec le vent pour faire avancer un bateau. Donc, chez les marins, chez les artisans, on ruse avec le fer en le chauffant pour en faire ce qu'on veut. Donc, il y a une approche de la ruse qui est beaucoup moins négative que celle qu'on peut avoir tous aujourd'hui. Hein, moi, il faut pas me tromper, hein, sauf depuis que je travaille beaucoup là-dessus, enfin que j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Et donc, c'est un bouquin tout à fait intéressant hein, qui fait prendre. Je crois que c'est eux qui parlent de la religion catholique. Je suis pas sûr, mais je crois. J'ai parlé du bouquin. Voilà. Donc, la ruse a tout un tas d'aspects négatifs, mais ça n'empêche pas qu'il me semble que avec les élèves, on peut utiliser des ruses, non pas malveillantes, qui cherchent à nuire à l'autre, mais qui cherchent à l'aider, à le motiver. Alors, c'est plutôt bienveillant, je parle moi plutôt de bienveillance ou de non-malveillance. Oui. Mmh. C'est-à-dire que quand on est en conflit avec un enfant, il peut y avoir la bienveillance, mais il y a déjà la non-malveillance. C'est-à-dire qu'on règle le conflit. C'est comme l'autorité. L'autorité peut être malveillante, mais elle peut être non-malveillante. Voilà. Mais du coup, oui, tout à fait. Mais il est intéressant de définir, je dirais, les piliers éthiques qu'il y a derrière cette ruse bienveillante. Alors, vous avez parlé de la bienveillance, et je pense que c'est un des piliers, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Oui. Alors, oui, comment dire, il y a des dérives possibles, même avec une ruse bienveillante. C'est-à-dire qu'on peut, comme, je sais pas, des parents bienveillants peuvent déraper aussi. Et une des dérives me semble être l'emprise, le trop d'emprise. C'est-à-dire quelqu'un de trop habile, un parent ou un enseignant trop habile, peut finir par avoir une emprise qui est problématique. L'idée, c'est pas d'avoir une emprise, évidemment. Le but, c'est pas l'emprise. Le but, c'est la libération de l'enfant, quelque part. Enfin, c'est pas quelque part, c'est la libération de l'enfant. Et donc, une trop grande emprise est pas bonne du tout. De même que la ruse, utilisée trop fréquemment, peut disqualifier la personne qui l'utilise. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a plus du tout de transparence, de sincérité, ça va pas du tout non plus. La ruse est un outil, pour moi, qui doit rester quand même homéopathique. C'est-à-dire utilisé de manière mesurée, dans certaines circonstances, et certainement pas tout le temps. Voilà. En gros, comment je vois ça. Il y a beaucoup de vertus, évidemment, à la sincérité. Hein. Il faut pas... Je suis pas en train de faire une espèce de panégyrique de la rue. Je trouve que c'est un outil intéressant, mais la sincérité a plein de vertus, évidemment. Évidemment. Alors, c'est vrai qu'avant de glisser vers les caractéristiques des ruses pédagogiques, j'avais une dernière question, et en tout cas, moi, que je me suis posée dans mon accompagnement des élèves, c'est comment on se départit de cette vision de l'éducation qui serait celle de la transparence, de la négociation tout le temps, de comment on fait pour se départir de ça, pour aller vers des moments, parce que vous l'avez dit, on ne l'utilise pas tout le temps, pour utiliser ces moments où, de ruse pour réengager, pour engager, pour faire vivre une expérience pédagogique et d'apprentissage. Est-ce qu'il y a quelque chose à déconstruire dans notre esprit pour déconstruire cette idée de peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas utiliser le terme d'idéal, mais voilà, cette vision de l'éducation transparente, de la discussion. Alors, c'est très bien, ça, hein. Je veux dire, la discussion, le dialogue, la négociation, tout ça, c'est bon, il faut garder, il n'est pas question de tourner le dos à ça, c'est l'essentiel, quoi. S'il n'y a pas de dialogue, c'est l'essentiel. L'idée, c'est la coopération. Je mets au centre, enfin, je sais pas si c'est le centre, d'ailleurs, enfin, je trouve important l'idée de coopération. Le problème, c'est qu'il faut de la coopération. Sinon, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de transmission, il n'y a pas d'apprentissage. Il faut de la coopération. Mais puisqu'il y a de la résistance, que les enfants
aussi entre coopération et résistance. Certains coopèrent beaucoup, résistent peu, d'autres c'est l'inverse, ils résistent beaucoup. C'est quand ça résiste trop et quand on n'y arrive pas, quand on dit ça marche pas. C'est-à-dire que si le dialogue, si la coopération, si ça marche sur des roulettes, bon bah il n'y a pas trop à se poser de questions, il n'y a pas à chercher autre chose. Quoi. C'est comme ça, c'est très bien. Donc c'est quand il y a des problèmes qu'il faut se poser la question, est-ce que j'ai d'autres outils que le dialogue et la coopération? Voilà, et là, parce que la Russie, c'est compliqué, c'est pas tout simple, quoi. Déjà, à cause de sa mauvaise réputation, on a tendance à l'évacuer, bien que tout le monde l'utilise, hein, et inconsciemment, quand tout le monde l'utilise. Quand on veut, quand on rencontre, quand on va croiser quelqu'un qu'on n'a pas trop envie de voir, on ruse. Bon. Et sans s'en rendre compte forcément, sans mettre au moins le mot sur la chose. Donc, quand la coopération, quand le dialogue ça marche, il ne change rien, quoi. La ruse, c'est quand on veut, en gros, éviter l'autorité. L'autoritarisme, le rapport de force. Ouais, ou même l'autorité, la simple autorité. Je prends l'exemple des enfants, avec des petits-enfants. Un enfant qui joue avec votre clé, par exemple, votre clé de voiture. Un enfant de 2 ans qui joue avec une clé de voiture. Si je lui laisse le jouer comme ça, dans une minute, je ne sais plus où elle est, la clé. Donc, on utilise beaucoup la ruse avec les petits pour, en particulier, détourner leur attention. Le détournement de l'attention est une des ruses emblématiques. Et donc, on va jouer avec le petit, avec un autre objet, qui pose moins de problèmes, pour lui faire abandonner l'idée de la clé. Et donc, je ne sais pas où on en va là, mais je me perds un peu dans les méandres de tout ça, ça ne sert à rien. Et donc, on utilise ça quand on a un problème et que l'autorité, on ne va pas forcément, c'est pas forcément idiot, mais enfin, on ne veut pas forcément utiliser l'autorité avec un enfant qui joue avec la clé. S'il met sa main sur le feu, là, peut-être qu'on va utiliser l'autorité, mais s'il veut traverser la rue, il a 2 ans et il ne veut pas tenir la main, on utilise l'autorité, même la force, pour empêcher l'enfant de traverser la rue tout seul devant les voitures. Mais dans les cas où on peut éviter l'autorité avec un petit, parce qu'il n'y a pas forcément, c'est pour le protéger, on lui fait manger de la purée. Bon, il ne veut pas manger sa purée. C'est difficile de lui faire manger de force. D'ailleurs, concrètement, c'est difficile. Et donc, on utilise des ruses avec, et tous les parents font ça, on fait des dessins sur la purée, on fait l'avion avec la fourchette, voilà. Et donc, on ruse très, très souvent avec les enfants parce que l'autorité, c'est nous semble pas être le bon outil. Mais tout ça, c'est de la ruse. L'avion avec la fourchette, c'est une ruse. C'est pas pour faire l'avion, c'est pour le faire manger. Donc, on cache un peu l'objectif pour arriver à ses fins, pour qu'il mange. Voilà. Moi, ce que je retiens de tout ce qu'on s'est dit, c'est que en pédagogie, comme dans tout rapport humain, on a un panel de choses dans lesquelles on peut venir piocher l'autorité à certains moments, la discussion à certains moments, et la ruse fait partie de ce panel de choses qu'on peut mobiliser pour engager les élèves dans les apprentissages. Alors, je vais vous emmener sur parlons de ces ruses, de leurs objectifs, de leurs caractéristiques et forcément des compétences qui sont mobilisées dans ces ruses. Donc là, on va pouvoir prendre des exemples et parler de toutes ces ruses qu'on peut mobiliser dans notre pédagogie. On va essayer. Oui. Alors, parmi les techniques, on va parler de techniques, de ruses qu'on utilisait. Alors, la première qui n'est pas terrible, mais
C'est encore avec les petits, ça, les plus petits. C'est pas terrible, mais bon, c'est le mensonge. On ment beaucoup. On ment beaucoup à nos enfants. C'est vrai. Sur alors, de manière non malveillante. En général, de manière non malveillante. Donc, des exemples. Père Noël me semble une ruse extraordinaire. Un mensonge extraordinaire que pas mal de parents utilisent, en ayant conscience, que c'est un mensonge, mais c'est un mensonge qui semble anodin, qui semble autorisé, mais ça reste un mensonge. Et c'est une ruse. Faire croire que le Père Noël existe, c'est une ruse, mais c'est une ruse pour enchanter un petit peu l'esprit de l'enfant. Et donc, évidemment, l'excuse du Père Noël, c'est l'enchantement des enfants. De même que les contes, toute la panoplie Walt Disney et compagnie, évidemment, ce sont des mensonges qui visent à enchanter l'esprit des enfants. Il y a la petite souris avec les dents, etc. Il y a tout un tas de choses qu'on fait comme ça. Qui sont... valide, je trouve, moi, enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout entendre parler, ni parler de Père Noël. Bon, très bien, chacun fait ce qu'il entend par rapport à ça. C'est possible, ce genre de mensonge et de ruse avec les petits. Avec les plus grands, ça devient extrêmement problématique. Le mensonge, je trouve que c'est pas terrible du tout. Sur le plan éthique, d'abord, un enseignant qui ment, enfin, peut-être ça peut arriver, je sais pas, mais enfin, ça peut se défendre peut-être dans certains cas, j'en sais rien, j'ai pas d'exemple en tête, hein. Mais a priori, ça me semble quand même assez problématique sur un plan éthique puis sur un plan d'efficacité, parce que les petits, je crois, n'en veulent pas trop à leurs parents, enfin, peut-être certains le font, mais n'en veulent pas trop à leurs parents de leur avoir menti sur le Père Noël. Parce qu'ils comprennent que c'était pas pour leur nuire. Bambi, c'est pas fait pour nuire les animaux qui parlent, c'est pas fait pour nuire aux enfants, c'est pour les enchanter. Donc il y a pas de rancune forcément. Mais les grands, quand on leur ment et que ils s'aperçoivent qu'on leur ment, ça pose problème. Donc c'est me semble pas très bon sur le plan éthique et c'est pas bon du tout sur le plan d'efficacité parce qu'un mensonge, ça finit par se découvrir. Les enfants qui grandissent voient bien qu'on leur apprend. Alors, on ment aussi beaucoup. C'est un autre exemple pour appuyer l'idée là. On ment aussi beaucoup sur le sexe, par exemple. Parce qu'ils sont pas en état à 3-4 ans de comprendre ce que c'est que la sexualité. Donc, on leur raconte tout un tas de salades et les choux pour faire passer. Les roses. L'idée de la naissance, pour emballer un petit peu cette idée de la naissance sexuelle est trop compliquée pour les enfants, je crois. Voilà. Donc ça, c'était sur technique du mensonge. Bon, voilà, on écarte. On l'a bien compris. Et d'ailleurs, on n'a pas réussi à trouver d'exemple valable dans notre pédagogie. Donc, qu'elle est bien à écarter. Je dis à Omar que les questions, je les prendrai. Et je les poserai à notre invité quand elles arriveront dans la thématique. Donc, pas de souci, Omar, je poserai la question que vous vous posez. Allons-y, continuons. Alors, reste deux grandes techniques pour moi. Sachant que chacun, dans les techniques, chacun doit trouver à adapter ses propres techniques en fonction de sa personnalité, en fonction du contexte. L'utilisation de la ruse, je le dis maintenant parce que je risque d'oublier, il faut faire attention de ne pas se mettre en danger. Oui. C'est-à-dire utiliser des ruses parce que, voilà, on entend parler d'un truc qui marche, en prenant des risques, je pense qu'il ne faut pas faire parce que ça risque de disqualifier l'enseignant qui utiliserait des techniques qu'il ne maîtrise pas. Il faut maîtriser son sujet. Sinon, c'est pas la peine. Il faut se sentir en accord. Il faut pas se mettre en dissonance. Ah oui, tout à fait.
Mais ça, de façon générale, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Ouais. Mais particulièrement sur la ruse, parce que on peut passer très vite pour quelqu'un de faux, de pervers. De, ça peut devenir très délicat. Donc, deux grandes techniques. Hein. La première grande technique, ce sont les techniques paradoxales. Hein. Voilà, ça c'est la référence. J'espère que ça se voit. Une logique de la communication. Voilà, Václavic Bevin Jackson. Alors, on appelle ça l'école de Palo Alto. Donc, ces techniques paradoxales, moi, quand j'ai découvert ça, j'étais très, 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 très content parce que j'ai trouvé ça absolument éclairant sur le problème suivant, c'est comment influencer quelqu'un qui ne veut pas être influencé. Comment exercer une influence sur quelqu'un qui résiste, qui veut pas. Bon. Donc, ce sont des techniques qui ont été inventées par des psychiatres américains et qui ne s'utilisent pas seulement en psychiatrie. Donc, à l'époque, je pense que c'est tout à fait utilisable. Donc, ces psychiatres américains, pour essayer d'avoir une influence positive sur des gens qui ont des problèmes psychologiques, mais qui refusent absolument la rationalité du médecin. Ils refusent le dialogue rationnel, qui sont imperméables au dialogue rationnel. Et donc, ces psychiatres ont développé ces techniques paradoxales, donc, qui s'apparentent, en fait, je ne sais pas si c'est eux qui disent ça, mais qui s'apparentent au judo, si vous voulez. Dans les techniques de combat, en gros, enfin, si on veut résumer, hein, il y a la boxe et le judo. Bon, il y en a d'autres. Restons sur la boxe et le judo. La boxe, ça pourrait être l'autorité. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'art. On rentre dans Et c'est ma force qui est importante, effectivement. Voilà, ma force contre la force de l'autre. Et c'est la confrontation de deux forces. Je dis non à l'enfant, je dis non à l'élève. Le judo, ça c'est la boxe. Le judo, c'est j'utilise la force de l'autre, la puissance de l'autre, pour essayer d'avoir le dessus. Alors là, on est dans des techniques de combat. Évidemment, je prends ces exemples-là. On est dans la pédagogie. On n'est pas dans la technique de combat. Mais si on cherche à influencer l'autre, si on cherche à faire prévaloir sa raison contre un élève qui ne veut pas travailler, contre un élève insolent, il faut bien utiliser des techniques qui vont permettre, au bout du compte, d'arriver à une forme de coopération. Puisque c'est ça qu'on vise à tous les coups. Voilà, c'est ça qu'on vise. Tout à fait. La coopération et l'atténuation des résistances. La résistance en soi n'est pas forcément... dans le cerveau est un instrument qui résiste. Hein. Donc, la résistance est normale, naturelle. Le premier mot de l'enfant, un des tout premiers mots de l'enfant, c'est non. Voilà. Donc, c'est tout à fait naturel qu'un jeune résiste. Mais évidemment, s'il ne fait que résister et qu'il ne coopère pas du tout, on s'en sort pas. Bien. Donc, la problématique, c'est comment influencer l'élève qui résiste de manière positive pour le faire coopérer. Technique paradoxale. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'outils dans ces techniques. La première, moi, celle que je préfère, ils appellent ça la prescription du symptôme. Donc là, on rentre dans le dur des techniques, là. Allons-y. Alors, la prescription du symptôme. Dire à la personne, à l'élève, eh bien, continue en gros à faire ce que tu fais. Un premier exemple. J'ai enseigné aussi un petit peu en école d'ingénieur. Hein, je vous raconte un petit truc. Alors, en école d'ingénieur, je sais pas ce que c'était une école d'ingénieur. J'étais vacataire, donc j'étais chargé de cours, ils avaient appelé ça psychosociologie. Psychosociologie, ok. Et quand vous voulez enseigner de la psychosociologie
à des élèves ingénieurs, eh ben, ils veulent pas. C'est, ça leur plaît pas du tout. Ils sont pas là pour ça. C'est ça, tout à fait. Et vous en avez une vingtaine là qui arrivent, ils sont toujours très très fatigués parce que ils sont dans l'école d'ingénieur, ben, voilà, ça y est, ils sont arrivés, c'est bon. Et ça les intéresse pas du tout. Et il y a un phénomène de groupe qui se passe, c'est-à-dire que ils n'ont pas le droit de s'y intéresser vis-à-vis d'autres. Tout à fait. Et donc, ils sont totalement démotivés, et, quand vous essayez de faire quelque chose, ils sont gentils, hein, ils sont pas agressifs, mais c'est assez démoralisant. Et j'ai trouvé, vite, dans les techniques paradoxales, dans cette prescription du symptôme, un outil, moi, qui m'a permis de retourner des groupes comme ça. Et j'ai fait ça plusieurs années, et tous mes premiers cours, alors, il aurait jamais fallu appeler ça psychosociologie, mais en fait, c'était comme ça. Tous mes premiers cours, je leur disais, je sais que ça vous intéresse pas, je sais que vous n'êtes pas là pour ça, et donc, j'aimerais bien qu'on ait un échange sur qu'est-ce qui vous plaît pas, pourquoi vous êtes content. Et je prenais ma craie, j'avais le tableau, et j'écrivais tout ce qu'ils me disaient sur pourquoi on est contre la psychosociologie. Et là, vous avez quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que vous avez un groupe qui rentre dans la classe, qui vient en voulant ne pas coopérer. Tout à fait. Vous leur dites de ne pas coopérer. Vous leur dites qu'est-ce que vous avez contre. Ben, ils coopèrent. Mm-hmm. Ils coopèrent sur le contre. Et donc, il y a une espèce de bascule qui se fait, inconsciente, hein, ils voient pas ce qui se passe, c'est une ruse, ils voient pas du tout ce qui se passe. Et j'écris tout ce qu'ils me disent. Ça sert à rien. Ils arrêtaient pas de dire à ce truc-là, c'est pipeau. Tout était pipeau. Tout ce que je faisais, c'était pipeau. Donc, ça sert à rien. C'est de la manipulation. Tout ce qui était négatif. Et il y en avait un à chaque fois qui me disait, c'est de la merde. Mm-hmm. Je disais, c'est de la merde. Alors, j'étais content, là, parce que c'est intéressant, ça. Parce que, ce qui était écrit au tableau, quelque part, ça renvoyait à celui qui l'avait dit. Tout à fait. Et au bout d'un moment, il me demandait, vous pouvez pas effacer, là. Ça me gêne. Je disais, non, mais ça me gêne pas, vous dites tout ce que vous voulez. Et puis, il revenait souvent une deuxième fois à la charge. Non, il me disait, effacer, ça me gêne. Bon, alors, j'effaçais, je rendais service, et celui-là, il était plus, je l'entendais plus, en général, parce que je lui avais rendu ce service d'effacer. Et le cœur de l'histoire, c'est que, au bout d'un certain temps, en fait, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Mmh. Mais la norme, c'était d'être résistant par rapport au cours. Mais ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et il y en avait dans le groupe qui savaient très bien que c'était pas si beau que ça, quoi. C'est que c'est pas forcément totalement inutile. Et donc, au bout d'un certain temps, ils s'opposaient plus à moi, l'enseignant de psychosociologie. Ils s'opposaient à ce que disaient les autres. Et à chaque fois, il y en avait un, puis deux, puis trois, qui disaient, oui, mais là, tu racontes des conneries, c'est pas vrai ce que tu dis. Voilà. Et donc, il y avait un petit coin du tableau qui était réservé pour les phrases positives que j'avais pas du tout demandé, hein. J'avais pas demandé le positif. C'est ça. J'avais demandé que le négatif. Mais il y a le positif qui émergeait, et après, à la fin, je faisais la synthèse. Bon, le négatif, ok, vous pensez ça très bien. Mais il y a aussi du positif, je suis plutôt d'accord, moi, avec le positif. Et j'arrivais à casser l'unanimité du groupe comme ça, de manière douce, parce que la ruse, là, c'est doux, c'est une tactique douce, et j'arrivais à, alors c'était pas extraordinaire au cours de l'année, hein, mais il y avait quand même un peu de coopération, alors et que sinon, je l'ai pas. C'est ça, et on répète pour ceux et celles qui arriveraient, c'est bien ça qu'on vise dans nos classes, c'est la coopération. Et cette technique paradoxale, si j'essaye de la reformuler, c'est finalement là où il y a résistance, enlever ce qui fait résistance, c'est-à-dire vous, et d'accueillir et de dire bah allez-y. Et du coup, ça déclenche un mouvement qui n'est plus de la résistance puisque il y a de l'échange et c'est de la coopération, même si ce n'est pas encore sur le sujet du cours. Vous déclenchez quelque chose qui est de l'ordre de l'échange et de vous laisser ouverte cette porte de l'échange, finalement. Voilà.
En fait, bon, on accompagne la résistance. On ne s'oppose pas à la résistance, on l'accompagne. Alors ça, cette technique-là, qu'est-ce que vous avez à dire contre? Je pense qu'elle peut être réutilisable dans certaines circonstances. Il faut voir lesquelles. Évidemment, si le groupe est lui-même homogène dans la résistance, si on fait ça, ça va marcher. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le groupe n'est pas homogène dans la résistance. Et que ceux qui sont en décalage par rapport à cette résistance, on peut avoir un poids. S'ils sont complètement étouffés par les résistances, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut réfléchir à... l'écrit est tout à fait important dans ce genre de cas. L'écrit est tout à fait important parce que sinon, ça risque de se répéter. Quand il me dit c'est bon, il peut le dire 20 fois. C'est déjà écrit. C'est juste qu'il y a autre chose. Donc, c'est une technique tout à fait intéressante. Il faut que le groupe ne soit pas homogène dans la résistance. Il faut qu'il y ait des forces qui puissent s'opposer au reste du groupe. Et l'écrit me semble tout à fait intéressant. Premier exemple. Deuxième exemple que j'avais beaucoup aimé, c'était une jeune prof de CFA, ça. Et elle avait raconté, elle était costaud mentalement, hein. Elle était forte. Et elle avait des grands gaillards en maçonnerie, je me souviens. 17-18 ans, elle en avait 22-23, je crois. Et elle disait que moi, quand il y en a un qui m'agresse, parce qu'elle agressait quand même, et qui, des fois, il me hurle après, je lui dis, d'un peu loin quand même, je lui dis, mords-moi. Et elle lui tend la main, elle tend la main de loin. Hein. Et ben, il dit, t'es énervé, ben, écoute, mords-moi. Elle va dans son sens, t'es énervé, vas-y, ben, continue à t'énerver, puis vas-y encore plus fort, mords-moi. Et ce mords-moi, racontait-elle, hein, alors, bon, il faut pouvoir le faire. Hein. Tout à fait. Voilà, il faut réfléchir avant de le faire quand même. Mais elle se sentait en capacité de le faire. Elle disait que ça avait comme effet de faire rire la classe, de désamorcer le gaillard qui l'agressait, parce que mordre une jeune femme, ça se fait pas. C'est pas viril, ça, mordre. Et donc, elle disait ça faisait s'écrouler la graisse. Enfin, c'est pas que ça faisait s'écrouler, j'expliquais trop, mais il s'arrêtait, quoi. Moi, j'avais beaucoup aimé ce mort-moi. Mais bon, encore une fois, ça, il faut réfléchir avant, hein, parce que il faut pas non plus que ça accède, que ça envenime les choses. Il faut faire attention à ça. Il y a toujours un risque. Donc, il faut faire un peu attention à ça. Mais la relation est risquée de toute manière. Donc, je pense que il y a aussi, pour avoir intuitivement usé de ce type de technique paradoxale, il y a des essais-erreurs et on s'ajuste et il faut accepter ça. Et j'ai envie de vous glisser une question d'Omar qui me semble intéressante parce que elle me semble intéressante à ce moment. Il dit, pour la mise en pratique, la technique des ruses pédagogiques, a-t-on besoin d'outils spécifiques ? Des outils intellectuels, oui. Je ne sais pas, moi je ne prétends pas être exhaustif. Et donc, il y a des gens, il y a des personnes qui utilisent peut-être des ruses que je ne connais pas. Je travaille 20 ans avec des enseignants, donc j'ai une petite expérience de la question, quoi. Mais il peut y avoir des choses qui m'échappent complètement, mais qui si elles sont éthiquement valables et puis efficaces, bon, bah, pourquoi pas, oui. Et les outils, moi, que je propose, là, celui-là, en particulier les techniques paradoxales, c'est vrai qu'il faut réfléchir un petit peu. C'est-à-dire, il y a un problème. Qu'est-ce que je fais avec ce problème? Est-ce que mon autorité, ça marche? Est-ce que je suis content de cette autorité? Est-ce que je peux utiliser autre chose? Et puis sinon, bah, je lis ça. C'est pas très compliqué non plus. Oui, moi, ce que j'entends, c'est que les outils, c'est des outils de réflexion, des outils éthiques qui nous appartiennent. Et vous disiez en début d'émission qu'il est important d'être vraiment en accord avec ce qu'on propose à nos élèves dans ces temps de ruse et de ruse pédagogique. Et quand même, d'avoir connaissance de ces différentes catégories. Vous parlez des techniques paradoxales, cette idée finalement de faire le contraire de là où on nous attend, c'est-à-dire que un élève qui nous
qui nous provoque, il attend une chose, c'est qu'on réagisse, ouais. Et que si on ouvre la porte et qu'on va dans son sens, eh bien, on désamorce complètement ce qu'il attendait. Et donc, je trouve que d'avoir cet outil intellectuel, de dire « Ok, ouais. Technique paradoxale, ça veut dire ça, ça veut dire faire le contraire de là où on ouais. nous attend », eh bien, ça nous donne un guide intellectuel. Donc, pour moi, c'est un outil spécifique dont parle Omar. Est-ce que vous avez d'autres… Là, on parlait des techniques paradoxales. En préparant l'émission, vous m'aviez parlé d'amorçage. Oui. Alors, juste un mot quand même sur le paradoxe. Oui. Parce qu'on n'a peut-être plus beaucoup de temps, c'est ça? Oh, on a 20 minutes. Ah bon, très bien. Dans les techniques paradoxales, il y a quelque chose qui me plaît bien. Moi, c'est la prédiction du comportement. La prédiction du comportement, c'est intéressant parce que quand vous avez percé un comportement qui va se produire et que vous l'annoncez, ce comportement a beaucoup plus de mal à se produire. Un exemple, la sortie de toilette. Oui. Vous avez un élève qui vous demande systématiquement au bout d'un quart d'heure de cours, est-ce que je peux aller aux toilettes? Oui. Si vous lui dites avant le cours, je suis certain que tu vas aller aux toilettes, tu vas me demander ça, vous mettez l'enfant dans une situation un peu délicate, difficile. Parce que soit il doit vous dire oui, et bien vous lui dites, tu te fous de moi, il y a un problème là. Soit il vous dit non. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vous dise non. Parce que s'il vous demande... Tu vois, je te connais par cœur, je te l'avais prédit. Et ça lui plaît pas. Parce que un des grands enjeux de l'enseignant face aux élèves, c'est que les élèves ne veulent pas que vous ayez toujours raison. Ça les énerve. C'est très agaçant. Et donc, ils ne veulent pas. Et quand vous prédisez un comportement qui va se produire, vous allez avoir raison. Ça leur plaît pas. Donc, vous les mettez dans une situation un peu compliquée qui est intéressante pour vous par rapport à ce genre de résistance. J'avais rencontré une enseignante aussi qui avait un élève très agité. De manière impulsive, qui se levait sans arrêt, qui criait dans la classe, c'était en primaire. Avant le cours, en général, elle le prenait 30 secondes, enfin 20 secondes, elle lui disait, mais aujourd'hui, est-ce que tu vas te lever sans arrêt? Et l'enfant dit, non, madame. Mais est-ce que tu vas crier comme tu te lèves ce matin? Il disait, non, madame. Donc, okay. Toute petite prédiction du comportement comme ça, très courte, la classe évitait. Et quand elle voyait l'enfant qui commençait à s'agiter, l'échange de regards, disait-elle, suffisait pour que, en général, ça calme les choses. Il se rappelle que, bon, voilà, on revient. Alors, je dis pas que ça marche à tous les coups, hein. Non, tout à fait. Rien ne marche à tous les coups. C'est ça. Mais, comment dire, cette idée de prédiction du comportement, c'est un peu pervers, hein, mais pas méchant. Non, je pense que c'est actionner aussi des mécanismes de nos personnalités, de nos mécaniques psychologiques. Donc, si on revient au début et au cadre éthique de ces ruses, ce n'est pas malveillant. C'est pour obtenir la coopération, c'est pour engager nos élèves dans l'apprentissage, c'est pour préserver la sécurité du groupe. Donc, il n'y a pas de malveillance dans tout ça. Je veux bien insérer une petite question encore d'Omar, parce qu'elle me semble intéressante, qui se questionne sur le fait que, est-ce que les ruses pédagogiques et à usage excessif peuvent détruire la personnalité et la confiance en soi des élèves? C'est-à-dire que, à votre avis, c'est quelque chose auquel il faut être vigilant? Oui, mais une ruse trop excessive, mal utilisée et nocive, mais peut-être pas plus nocive qu'une autorité, trop excessive utilisée en compte des enfants. C'est-à-dire que pour les enfants,
je pense à une espèce de droit à la résistance. Il ne faut pas qu'il y ait que ça, quoi, simplement. Mmh. Le dialogue reste primordial. C'est-à-dire, après la ruse, c'est bien aussi qu'il y ait du dialogue. Tout à fait. Que, mmh. De l'authenticité, de la transparence et du dialogue. Mmh. C'est pas, s'il n'y a que la ruse, non, ça ne peut pas marcher. Et c'est pas bon, non? Oui, c'est ça. Et je pense qu'on peut le redire à ce stade, c'est que la ruse est peut-être un outil parmi d'autres. Oui. Et il ne faut pas que ça devienne une méthode pédagogique. C'est un outil qu'on peut mobiliser quand il y a trop de résistance et qui pour oui. revenir vers la coopération voilà. et vers les apprentissages, puisque c'est ça notre objectif. Je vous emmène vers l'amorçage. Oui, pardon, allez-y. L'effet miroir, pour terminer. Oui, allez-y. Autre technique, l'effet miroir qui m'avait... Mettre en miroir l'implicite... expliciter l'implicite. Oui. Expliciter l'implicite. L'effet miroir, j'ai un exemple qui m'est revenu, là, c'était... Alors, toujours une jeune femme, jeune, il me semble, hein, avec des grands, 17-18 ans, et... un cours où elle a, au premier rang, un élève qui parle doucement. Mmh. Puis, Vincent, 17 ans, célibataire. Et il répète. Vincent, d'accord. La classe n'entend pas forcément, enfin, elle entend. Mmh. Et lui, son idée, elle ne sait pas du tout. Alors, elle est complètement paniquée parce que elle ne sait pas comment gérer ça. C'est... Et elle a l'idée d'écrire ça au tableau. 17 ans, c'est l'implicite. Et du coup, l'implicite, c'est plutôt le message là qui est envoyé, devient public, oui. et le garçon se trompe. Alors, encore une fois, je crois que ce genre de choses marche à tous les coups non plus. Mais là, ça a marché. Et un autre exemple pour terminer, c'est le pyjama. Ah non, ça, oui. c'était l'inscription du symptôme. Non, je me trompe. Ah, le contrat de paresse dans l'effet miroir. Un élève qui ne veut rien faire, qui ne fait rien, lui demander de remplir sur papier un contrat de paresse. Mmh. Je m'engage à rien faire, etc. Ça peut être un outil assez efficace parce que l'idée, c'est que l'enfant ne l'écrive pas. Hein. Le but, c'est qu'il ne fasse pas. Non, je veux pas faire ça. Qu'est-ce que vous allez en faire? Bon, il verra bien. Le but, c'est qu'il n'écrive pas. S'il écrit, c'est pas bon. Mmh. Donc, il faut donner ça à quelqu'un qui ne va pas l'écrire. Voilà, j'arrête sur le paradoxe. Ah, quand même, le pyjama. Oui, le pyjama. Moi, je l'ai beaucoup. Moi, je l'ai usé avec mes enfants. Enfin, je l'ai utilisé une fois. C'est qu'un... Allez, c'est un exemple tout à fait domestique. Mon fils qui ne veut pas s'habiller, il est en classe de maternelle. Et plutôt que de rentrer en résistance, je lui dis, bah, écoute, il n'y a vraiment aucun souci. Allons-y, tu iras et tu passeras ta journée en pyjama. Autant vous dire qu'il s'est habillé très, très vite. Il n'a pas eu... Alors, et j'étais vraiment prête dans ma tête à lâcher l'image que ça pouvait renvoyer de moi. J'avais abandonné l'idée et de dire, bah, ok, bah, en pyjama, finalement, personne ne va mourir, tout va bien se passer, il passera sa journée en pyjama. Et voilà, ça a lâché un truc chez moi. Ouais. Et chez lui aussi, parce que l'idée, c'était pas du tout de passer sa journée en pyjama, mais c'était bien de rentrer en résistance avec moi. Donc, à partir du moment où la résistance n'existait plus, l'histoire du pyjama n'existait plus. Ah, voilà, c'est un super exemple. Moi, ça me plaît beaucoup l'histoire du c'est vrai. J'avais déjà entendu ça une autre fois. Voilà. Bien. Alors, les techniques d'amorçage. Oui. Deuxième grand volet. Alors, j'ai mis ça là. Les techniques d'amorçage. J'ai trouvé ça là-dedans. C'est le petit traité de manipulation. À l'usage des honnêtes gens. Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et les auteurs, c'est Joule et Beauvois. D'accord. Et Julia, à chaque fois, arrive à mettre la référence. Donc, on retrouve toutes les références dans le chat. Bon. Alors, ça, c'est aussi une piste intéressante. Tout à fait intéressant, ce petit traité de manipulation à l'usage des agents. Alors, il s'agit, pour les auteurs, là, ils parlent très peu d'éducation, hein, ils parlent plutôt du commerce. Du commerce, oui. Comment est-ce que, quand on est commerçant, il y a d'autres exemples que le commerce.
Mais comment est-ce qu'on arrive à manipuler le désir d'achat des gens? Donc, les commerciaux connaissent ça pas mal. Hein. Mm-hmm. Bien. Alors, l'idée... Mais ça ne fait qu'utiliser notre psychologie. Hein. Enfin, c'est, oui. C'est-à-dire que c'est utiliser à bon escient les caractéristiques de notre esprit, finalement. Oui. Alors, ils écrivent ça en disant comment... un peu en arrière-plan, comment se prémunir des manipulations dont on peut être l'objet. Hein. Tout à fait. Mais on peut utiliser ces manipulations, entre guillemets, alors manipulations non malveillantes, avec, en classe, avec les élèves, avec tout ce qu'on a dit. Alors, pour faire un peu vite, il y a une technique d'amorçage qui est le don, qui est tout à fait intéressante dans nos sociétés. Parce que le don appelle le contre-don. Mmh. Alors, chacun doit réfléchir à comment il se positionne par rapport au don qu'on lui fait, comment il réagit en contre-don ou pas. Mais quand on nous donne, on a souvent tendance à vouloir rendre. Oui. On est invité chez des amis, on rend l'invitation. Tout à fait. Si on ne le fait jamais, ça fait un moment qu'il y a un problème. Quoi. Et donc, il y a une forme d'obligation. Du contre-don. Et donc, ça peut être intéressant d'utiliser ça dans les relations éducatives. Qu'est-ce qu'on peut donner qui serait susceptible de nous revenir en contre-don, ce contre-don étant la coopération. Mmh. Bien. Alors, un petit parenthèse, quand même, un petit détour par le commerce pour illustrer de manière imagée les choses. Quand dans un supermarché, vous avez des échantillons qu'on vous offre, la rondelle de saucisse. Mmh. Si vous prenez la rondelle de saucisson et que vous la goûtez, vous avez une probabilité d'achat infiniment plus grande d'acheter le saucisson que si vous n'avez pas pris la rondelle de saucisson. Mmh. Vous vous sentez redevable en fait de quelque chose. Redevable et ça vous pousse à l'achat. Bien. Et donc il ne faut pas prendre la rondelle. Et donc, comment on fait ça en pédagogie? Alors, en pédagogie, ça, c'était un enseignant qui donnait, par exemple, c'était toujours des apprentis, un joker. Quand okay. un joker de non-travail. D'accord. Alors, quand un de ses apprentis, un de ses élèves apprentis avait fait un bon boulot, il lui disait, ça, c'est super. Il n'en avait pas beaucoup, hein. Il en donnait quelques-uns. Je me souviens plus comment il faisait ça. C'est trop ancien. Mais je crois que c'était des quelque chose de matériel. Quoi. Une école comme une carte, quoi. Voilà. Tiens, c'est un joker. Et quand tu voudras, tu pourras utiliser ton joker pour ne pas travailler. Mmh. Tu pourras dispenser de faire le travail que je demande. Garde-le bien, hein. Grâce à ton joker, tu pourras pas faire. Alors, l'intérêt de ce don du joker, c'est d'abord que pour avoir le joker, il faut travailler. Uh-huh. Il n'est pas donné de manière neutre. Il faut avoir fait quelque chose. Il faut le mériter, quoi. Uh-huh. Et donc, ça marchait assez bien parce que, bon, pour avoir le joker, il y en a qui s'y mettaient. Et le plus marrant de l'histoire, c'est que quand ils pouvaient utiliser leur joker, souvent ils disaient non, là, aujourd'hui, je l'utilise pas. Mais ils l'avaient, ils le gardaient et certains l'utilisaient jamais. Mmh. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans cette histoire d'amorçage et de don, c'est le don du pouvoir. Alors ça, j'ai trouvé c'est une interprétation personnelle de ce que fait Pénac. Hein. Uh-huh. Une des grandes références pour moi, c'est Chagrin d'école. Oui. C'est un livre extraordinaire après que j'ai été prof et ça m'a énervé parce qu'il aurait pu l'écrire avant pour que je m'inspire de ce que je faisais parce que je trouve qu'il y a des choses pour un enseignant, alors j'étais prof de français aussi, qui sont extraordinaires. J'aurais adoré par exemple faire ce qu'il fait à propos des dictées. Pénac fait faire des dictées à ses élèves et ce que je trouve magique, c'est qu'il faisait corriger les dictées de ses élèves de sixième par les élèves de troisième et seconde, et les dictées en seconde par les élèves de sixième. Et il se passe, alors ça c'est une espèce de don de pouvoir,
d'un apprenant. Et les élèves de sixième, par exemple, étaient absolument ravis de corriger les fautes d'orthographe des grands. Des gaillards de 16 ans, de 15 ans, là, ou des femmes de 15 ans aussi, avec des petites qui avaient 10 ans. Et il leur disait, vous corrigez les dictées. Alors, je me souviens plus, j'ai pas lu le bouquin pour aujourd'hui. Et enfin, franchement, c'est tout à fait intéressant à lire. Il leur disait, vous mettez les commentaires que vous voulez. Alors, il avait comme commentaire, je réinvente, hein. Imbécile, t'as oublié un S. Et alors, bon, là, il faut voir ce que les enseignants peuvent faire. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, on travaille sur la formulation. Voilà. Ouais. Et lui, il les laissait faire. Et il y avait des choses étonnantes. Alors, les grands, évidemment, quand ils voyaient imbécile, t'as oublié un S, ça les énervait. De la part d'enfants de 10 ans, c'est ça. Ils leur disent ça. Et l'intérêt, c'était évidemment, au final, de faire s'intéresser et les petits et les grands au problème d'orthographe. Oui, c'est ça. Cette tactique-là me semble une intelligence inouïe. J'ai jamais pensé à ça quand j'étais prof et je m'en doute beaucoup. Et donc, cette correction des dictées, alors je suppose qu'on peut faire ça, j'ai pas réfléchi à la question, mais dans d'autres disciplines. Tout à fait. C'est-à-dire que faire ce travail de correction de comment un petit, moi j'ai 15 ans, comment un petit me reprend sur ce que je fais. Oui. Et pour les grands aussi, c'est leur donner un pouvoir peut-être plus sérieux, plus pédagogique. Attention, là, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses ça. Bon, voilà. Et donc, ça me paraît un outil très, très intéressant. Pénac encore fait le don de la lecture. Hein. Bon, ça, c'est son outil phare. Il lisait, et moi, j'ai jamais pensé à faire ça, et je suis un imbécile. Il lisait à ses élèves une heure par semaine un roman. Il fait une lecture d'une heure par semaine. Et évidemment, pas simplement pour passer le temps, pour non. leur donner l'envie de lire. Lecture et, offerte. Voilà, lecture offerte. Mmh. Et je trouve que c'est une technique d'amorçage. On amorce le goût de la lecture en offrant la lecture. Mmh. Et je trouve que Pénac est un génie. Quoi. Mmh. Et pour terminer, dans mes histoires là d'amorçage, plus basique, quoi. Le double choix. Oui. Le double choix me semble un outil intéressant parce que dans le double choix, l'enfant rentre déjà dans cette idée de choix. L'idée, pour terminer, si vous voulez, l'idée c'est donner à l'enfant un pouvoir de décision. Mmh. Comment donner à l'enfant dans cette idée d'amorçage un pouvoir de décision dont il est privé souvent. Et, parce qu'il est important soumis à ce qui se passe, et soumis au désir et au travail humain. Alors, Jules et Beauvois disent, il faut que la décision soit libre, et c'est mieux qu'elle soit publique. Mmh. Ça intéresse à la question, je verrai ça de manière plus concrète, parce que la décision prise engage la personne. Quand je prends une décision, je me sens moralement engagé par ma décision. Mmh. Et il y a un principe de persévération. C'est peut-être un peu compliqué, tout ça, je sais pas. Qui se met en œuvre, on persévère dans la décision. Arriver à faire prendre un enfant, ça peut être tout à fait intéressant, pour le faire comprendre. Voilà, en gros. Merci beaucoup. Si on essaye de refaire le chemin arrière de tout ça, vous nous avez parlé de ces grandes catégories de ruses que sont les techniques paradoxales, les techniques d'amorçage, avec quelque chose à chaque fois qui est de l'ordre. Alors, ça ne fonctionne pas à 100% à chaque fois. C'est un outil parmi d'autres à utiliser dans notre pédagogie. Pas Et trop. Bien sûr, pardon ? Pas trop. C'est ça, exactement. Avec parcimonie et intelligence. Et avec des piliers de bienveillance forts, donc un cadre éthique fort, et je dirais une possibilité pour chacun de réfléchir à ce que peuvent être ces ruses, avec une idée importante, en tout cas que j'ai retenue, que ces ruses utilisées doivent nous correspondre et ne pas nous mettre en danger et ne pas nous mettre en dissonance.
Merci beaucoup pour ces ruses pédagogiques qui, dans un temps où, depuis 2 ans, on sent que nos élèves sont beaucoup plus désengagés qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent, ou en tout cas de façon plus massive et plus générale. Donc, réinterroger nos pratiques à l'aune de ce que vous nous avez proposé, eh bien, un livre à lire, 2 livres à lire. Julia a réussi à mettre toutes les références, donc on va vous souhaiter tout plein de bonnes lectures à vous toutes et tous, en espérant que cela vous ouvre sur des horizons de ruses pédagogiques. Et n'hésitez surtout pas à venir partager vos petites ruses. Moi, je suis toujours très curieuse de ce que ça peut générer chez vous. Et j'aurais envie de vous demander avec quoi vous repartez des propos de notre invité. Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en action dès demain et de vous dire « Ah ouais, ça, je vais essayer ». Donc, n'hésitez pas à partager tout ça avec nous dans le chat. Monsieur Guégan, vraiment merci beaucoup pour cette heure passée avec nous. La semaine prochaine, je reçois Alix de Salaberry, qui est cofondatrice de la discipline positive en France, et on parlera de la discipline positive, qui est un courant de coopération et de cadre éducatif fort intéressant. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci beaucoup à Julia pour son efficacité toujours hors pair dans le chat. Merci beaucoup à vous toutes et tous pour votre présence et à très bientôt. Merci, au revoir.